Salut mes soldats et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Mindset Mardi. Ah, je viens d'avoir une conversation avec une de mes clientes à l'instant qui m'a retourné la tête. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo à chaud, maintenant, en live, a cappella. La vidéo va certainement s'appeler « Bougez-vous le cul » pour une raison extrêmement simple. D'habitude, vous me voyez sourire, vous me voyez optimiste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre un message important, qu'il est important que tout le monde se rentre dans la tête, ok? Tout simplement, ma cliente vient de me dire « Antoine, je sais que je ne réussirai pas à changer et avoir le physique que je veux parce que ça fait des années que je me plains que je suis trop grosse et que tous les ans je prends du poids et que ça ne change rien. » Devinez pourquoi? Tout simplement parce que se plaindre ne change strictement rien. Si vous n'êtes pas où vous voulez être dans votre vie en ce moment même, devinez ce qu'il faut que vous fassiez. Devinez. Vous bougez le cul. D'accord? Se plaindre, les mots, les souhaits, les rêves et les pensées n'ont aucune valeur, absolument aucune. Personne ne va venir vous prendre par la main pour vous dire « Viens, je vais te montrer comment on fait, c'est comme ça qu'on fait, fais ça. » Non, c'est votre responsabilité, c'est à vous de vous bouger. Si vous voulez atteindre quelque chose de différent, si vous voulez créer un impact, si vous voulez changer votre vie pour le meilleur, si vous voulez devenir quelqu'un d'autre, si vous voulez améliorer une de vos capacités physiques, esthétiques, psychologiques, améliorer votre business, quoi que ce soit, à partir du moment où vous voulez passer d'un point A à un point B, ça suppose un travail sur vous-même, un travail sur vos compétences, un travail sur ce que vous avez en ce moment entre les mains et à ce que vous faites de votre vie. Tout simplement, personne n'arrive à passer d'un A à un point B satisfaisant et à améliorer une situation comme ça, simplement en le voulant ou en se plaignant que les choses ne changent pas. Devinez ce qui va se passer si vous passez votre temps à vous plaindre que les choses ne changent pas. Que dalle! Que dalle! Zéro! Il se passera strictement rien. Vous pouvez vous plaindre pendant des années que vous êtes trop gros, que vous êtes trop grosse, que vous n'aimez pas vos cuisses, que vous n'aimez pas votre ventre, que vous n'êtes pas en bonne forme physique, que vous n'avez pas le corps dont vous rêvez. Ça ne changera rien, absolument rien. Réveillez-vous. Pour changer les choses, il faut changer les choses. Pour changer les choses, il faut travailler. Il faut changer vos habitudes. Il faut faire en sorte que les choses avancent. Il faut travailler sur tout ce qui construit votre quotidien. Vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui à cause de tous les choix que vous avez faits depuis le début et à cause de toutes les choses que vous n'avez pas faites. Devinez ce qui se passe. Si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, vous allez continuer à obtenir ce que vous avez toujours obtenu, c'est-à-dire un corps de merde, un business de merde, un bonheur de merde et une vie de merde. Sortez-vous les doigts. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, je suis remonté, mais parce que la réalité, elle est là. Tout le monde a des œillères. Tout le monde s'occulte la réalité et refuse de regarder les choses en face. Ça demande du travail, ça demande de la passion, ça demande de la réflexion, mais ça demande surtout de se bouger le cul. C'est tout bête. La recette est simple. Le succès, quel qu'en soit le domaine, business, relations amoureuses, santé, apparence physique, tout fonctionne de la même façon. Bougez-vous, c'est du travail. Se plaindre ne change rien. Dire à vos amis que vous vous trouvez trop grosse ou que vous n'aimez pas votre corps ou que votre business est merdique ou que vous n'avez pas assez de clients ne change rien, d'accord? Soyez positif sur vous-même. Comprenez que vous avez le pouvoir de changer les choses, tout comme moi je l'ai, tout comme tout le monde l'a. Et à partir du moment où vous êtes convaincu que vous pouvez changer les choses, faites le travail. Si vous êtes un de mes clients et que je vous coach, si vous ne faites pas ce travail sur vous-même, mon travail à moi ne sert à rien. Vous me faites perdre mon temps, vous faites perdre leur temps à tous ceux qui vous écoutent vous plaindre à longueur de journée. Bougez-vous! Je suis fier de vous accompagner. Si vous entendez le message de cette vidéo et qui vous parle et qui vous percute, tant mieux. Si ça vous met la plus grosse claque de votre vie dans la gueule, tant mieux. Je continuerai à dire des gros mots, à être énervé et à être vulgaire s'il faut, le temps que ça vous rentre dans la tête. Bougez-vous. Ça m'a fait du bien. Désolé. J'espère que le message est clair. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Il n'y a pas de faux semblants. Il n'y a pas de « Ah, je suis une fitness girl, machin. Acheter ma poudre et mon thé détox. » On s'en branle de ça. Voilà, les choses sont dites. Travail, implication. Travaillez sur vous-même. Changez les choses. Changez vos habitudes. Changez vos process. Changez votre façon de vous alimenter. Changez votre façon de vous entraîner. Votre façon de dormir. Votre façon de sortir. Votre façon de consommer de l'alcool. Changez tout ça en profondeur. Changez-vous vous-même. Et vous aurez enfin les résultats que vous espérez. Il n'y a aucune magie. Il n'y a aucun... Hop. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin. Il n'y a rien.
tout ça, c'est des conneries. La seule valeur qui soit, c'est les actions, comment vous bougez, ce que vous en faites et le travail que vous fournissez sur vos objectifs pour réaliser vos rêves. J'espère que le message est passé. Si vous avez aimé, mes soldats, cette vidéo, comme d'habitude, un commentaire juste en dessous. Si ça vous a énervé, si ça vous a mis dans le même état que je suis maintenant, tant mieux. C'est comme ça que les choses doivent être. C'est comme ça que les choses doivent être dites. Et c'est ça la réalité des choses. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Si personne ne vous le dit et que ça vous fait mal de l'entendre, je suis très heureux de vous l'avoir dit et je suis très heureux d'être celui par la bouche duquel les vraies, vraies, vraies choses et les vraies vérités sortent et s'expriment. Je vous aime fort et c'est parce que je tiens à vous que je suis énervé en ce moment même et que j'en ai marre que les gens se bercent d'illusions à longueur de journée. Bougez-vous. Réveil. Nouvelle vidéo demain matin, 6h du matin. On y va. Let's go. Bam!